voulez voir tous immédiatement. Ils sont là derrière moi, la bande de crétins, là. Oh mon Dieu, je le savais. J'aurais jamais dû le faire, jamais. Ce soir, c'est la première de l'enlèvement au sérail et tout vienne. Attends le premier coup de baguette de cet excité de Mozart comme l'événement de l'année. Oh mon Dieu, Salieri, c'est un imbécile qui n'a rien compris, qui me dit avec sa mèche. Ah non, maintenant il n'a plus de mèche maintenant. Maintenant c'est une queue de cheval qu'il a, voyez. C'est son côté réponse qui me dit. Disposera la cour de l'empereur et nous rentrera dans l'ordre. Quelle impétion. Et si au contraire cette confusion que j'ai dit les séduisait tous? On ne sait jamais. C'est jamais, oui. Vous êtes là, vous regardez avec vos yeux ébahis, là, et vos portables. Mais on ne sait jamais, parce qu'en cherchant bien, on peut y trouver quand même deux ou trois moments audibles. Enfin, efficaces, c'est vrai, qu'on vous en tenait par exemple l'ouverture. L'exposition, ça c'est ma chérie qui en fait. Tenez, écoutez ça, écoutez. Oh, comment ils sont mignons!
maestro Mozart, s'il vous plaît. Il est devant vous, monsieur. Je me présente, Lorenzo da Ponte, auteur et poète à la cour. Oh, vos amis, me voici tellement célèbre que l'auteur des livrets du maestro Salieri nous honore sa visite, tous ensemble. Mais que voulez-vous, juste monsieur? Eh bien, j'aimerais écrire un livret d'opéra pour vous. Mais visiblement, le moment est mal choisi. Je repasserai demain. Non, attendez, la porte est, laissez, je vous en prie. Pardon. Les amis, amusez-vous. Vivez notre succès, allez-y. La musique. Voilà, je vous écoute. Bien. Alors, je vous propose un argument léger tiré d'une comédie de Carlo Golden, qui sera bien dans le ton qu'affectionnent nos Viennois. Vous en connaissez comme moi les limites. Les limites. J'ai mieux. Le mariage de Figaro. Pièce de bon marché. Pourquoi on l'avait interdit à Vienne? Eh bien, vous le convaincrez? Quoi, de revenir sur sa décision? Oui, vous pouvez. Jamais, il n'acceptera jamais. Cet ouvrage a provoqué un véritable scandale en France. Les rumeurs de révolution sont plus vives partout en Europe. Ah, ta bonté! Ce que je veux faire vivre, ce ne sont pas les idéaux révolutionnaires, mais la déchirure des passions humaines. Figaro me touche infiniment. Sa révolte, c'est un homme libre. Un valet qui donne la leçon et ridiculise un comte. Les Viennois, votre public, nous avons tué mon pain. Ah si, si de monter avec votre talent et ma musique, nous le gagnerons. Oh. Et acceptez. Mais enfin, que se passe-t-il? Pourquoi l'orchestre ne joue-t-il pas? Quelqu'un peut me dire, Dapente, réveillez-vous, que signifie cette pantalonnade? Que votre majesté veuille bien nous pardonner, mais nous n'avons fait que respecter sa volonté. Ma volonté? Tiens donc! Arrêtez-vous! Majesté, infiniment désolé, mais... Mais monsieur l'intendant, compte Orsini Rosenberg, a censuré, supprimé, et j'ai pris au feu la danse de mon final. Voilà. Il paraît que sa majesté ne tolère pas de ballet sur son théâtre. Rosenberg, oui, vous sortez vous attendrez. Eh bien, votre majesté, je rappelle simplement que depuis fort longtemps, l'usage n'admet pas la danse de ballet, voilà tout. Et d'ailleurs, votre majesté... Je vous rappelle que je me moque des usages. Ce que je veux voir et entendre ce ballet. Esclair. Il n'y a pas grand-chose, votre majesté, mais c'est très bien. Enfin, ça guérit. De l'insolence, toujours de l'insolence. Votre majesté, ceci est inacceptable. Votre majesté, ceci est inacceptable. C'est fini, Rosenberg. Mais c'est terminé, votre majesté. Ça guérit. Reprenez les choses en main, s'il vous plaît. Mozart. Oui. Veuillez reprendre votre finale. Avec l'orchestre, s'il vous plaît. Ah, il me plaît assez, en effet. Merci, monsieur Salieri. Merci. Moi qui vous sauve de ce mauvais pas dans lequel vous vous êtes fourré, et moi avec. Oui. Triomphe Mozart, monsieur l'empereur, mais c'est bien! Vous ne comprenez pas, Rosenberg.
Rosard est perdu. Foutaise ! Foutaise ! Salut ! Figaro, il est un affront à la noblesse. Il ne lui pardonnera jamais. Le scandale est tout proche. Bon, maintenant, écoutez-moi bien. Répandez des rumeurs dans les salons. Ce n'est pas si ça va être corrompu. Et quand le fruit sera mûr, alors nous retournerons voir l'empereur, il nous écoutera. C'est bien, ça, Salieri, c'est très très bien. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi, c'est bien. Bien. Allez. Petit. Allez. Allez. Bien. Vas-y. Je parle.